Ajouter la diffusion. Ah, voilà, ça y est. Ah. Oui, ça va, il fallait que je clique sur nos photos, sur nos images respectives pour nous ajouter à la diffusion. Ah, voilà. Allez, ça y est, je t'ai dit. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. On est en live ? Eh bien, normalement, on est en live. Voilà, donc on arrête de dire des bêtises. C'est ça, voilà. Je vais faire des grimaces quand même, voilà, avant de dire des choses que... On est en live, ce n'est pas enregistré directement, mais en fait, moi, j'irai récupérer la vidéo après pour la recouper et la mettre sur YouTube. Et donc, je vais voir si, par contre, ça fonctionne bien en diffusion sur Facebook. Yes, parce que ce qui est quand même important, c'est que vous puissiez nous voir les uns les autres. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent en live ou en replay. Pour l'instant, moi, je ne vois pas. Est-ce que toi, tu vois quelque chose? J'étais sur ton profil. Oui, si, ça fonctionne. Vous voyez, c'est bon. C'est sur ton profil ou ta page? Alors, attends, parce que c'est une diffusion privée. Hop, modifier l'audience. Attention, on ouvre à tout public. Voilà, ça y est, c'est parti. Allez, donc là, c'est diffusion. Oui, je nous vois. Diffusion à tout public. Donc, bienvenue à ceux et celles qui vont nous rejoindre sur cette soirée joyeuse, enfin, ce début de soirée, parce qu'il est 17h30, avec Myriam ce soir. Donc, on va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. On va vous laisser arriver. Donc, bienvenue. Super, il y a même les sous-titres sous la vidéo. Trop bien, on est sous-titrés en plus, mais c'est magnifique, comment ça devient encore mieux que ça. Ah là là, voilà, tu vois, tout à fait, c'est vraiment le super truc. Ouais, par contre, il y a du décalage en fait entre le moment où on parle et le moment où vous voyez en direct. Ouais. Donc, on en tiendra compte, évidemment, s'il y a des personnes qui mettent des commentaires ou qui posent des questions. C'est possible, évidemment, de le faire sous la vidéo. Et pour les personnes qui sont inscrites sur StreamYard, c'est gratuit. Et dans ce cas-là, quand vous jumelez votre compte Facebook et StreamYard, ça permet, quand vous commentez quelque chose, eh bien, que votre nom apparaisse plutôt que Facebook User, qui est pas forcément... Moins fun. C'est un peu moins sympa quoi de savoir. Voilà, c'est vrai que c'est sympa pour nous de voir qui. Qui est avec nous. Mais là, alors par contre, qu'est-ce qui se passe? Il semble. Pourquoi je ne peux pas partager moi? Alors, Il y a une personne qui est avec nous. Bienvenue. Si vous avez envie de nous faire un coucou quand vous vous connectez, ça va nous faire plaisir de vous saluer. Voilà. Ta-da-da-da. Alors, terminé. Donc, c'est mis en public, mais je ne sais pas, je ne peux pas partager. Alors, pourquoi je ne peux pas? Alors, moi, j'ai pu partager. Toi, tu as pu partager? Oui, mais alors, je vais aller vérifier parce que si tu me dis que tu ne peux pas, je vais voir si moi, ça a fonctionné. Normalement. Bon, sinon, de toute façon, ce n'est pas grave. Après, je rediffuserai. Oui, moi, j'ai pu le partager sur mon profil. Ok. Bon, écoute, c'est super. Ce n'est pas grave de mon côté. Ça restera sur le profil. Puis, de toute façon, ce sera mis après sur YouTube. Ah oui, ça y est, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bon. Pourquoi je ne vois pas, moi? On arrive, les amis, on arrive. On se met en place. On se cale. C'est, voilà. C'est notre premier test. Venez goûter à l'énergie. Avec StreamYard. Yes. Alors, bienvenue à ceux et celles qui vont nous rejoindre. Alors, comment on s'est rencontrées toutes les deux? Eh bien, je pense que c'était dans le groupe de Mélanie Anne-Layer, hein, c'est ça? Probablement, il y a de grandes chances, yes. Voilà. Donc, une coach qui avait lancé une masterclass, une coach québécoise qui avait lancé une masterclass, et on était des milliers de femmes présentes dans cette masterclass. Et c'est à ce moment-là que, pour ma part, j'ai découvert le Human Design. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Elles étaient toutes les unes et les autres en train de dire, moi, je suis ça. Je dis, de quoi elle cause? C'est quoi cette chose-là? Et dans les Françaises, eh bien, il y avait Myriam qui était là. Et voilà, Myriam, je lui ai demandé donc, de faire ce qu'on appelle un bodygraph, c'est-à-dire pour m'expliquer ce que c'était le Human Design. Et donc, tu vas pouvoir nous en parler après. Et
je vais de mon côté, moi, expliquer ce que j'ai vécu en tant que personne accompagnée par Myriam sur ce bodygraph. Et puis Myriam, elle va nous partager ce qu'elle a vécu en reprogrammation émotionnelle du subconscient. Alors, je te laisse te présenter, puis je vais me faire une petite présentation après pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, qui me découvrent. Vas-y. Ok, ça marche. Bah, merci à toi pour cette invitation. C'est vrai qu'on en avait parlé après, après les sessions qu'on a vécues ensemble. Et merci d'être venue pour l'amener dans la matière. Et je suis très heureuse qu'on vive ce moment ce soir ensemble. Alors, moi, c'est Myriam Falchenia. J'accompagne les accompagnants, en fait. J'aime accompagner les gens qui interviennent dans le bien-être, le développement personnel, la thérapie, les gens qui œuvrent pour un monde plus beau, si on peut dire, et plus soi, plus de soi et avec le monde. Et adoucir l'expérience humaine aussi en étant plus soi. Puis ça, je le fais avec... l'énergie de mon walk-in Falchenia et le human design donc dont tu viens de commencer à parler. Et j'adore le human design justement, mais on en parlera ensuite. Je vais te laisser aussi te présenter parce que c'est une science de différenciation de l'individu justement, et que ça me tient à cœur vraiment de pouvoir accompagner ceux qui le souhaitent avec moi, dans ceux qui souhaitent le faire avec ma vibe, à se reconnecter à leur essence toujours plus, en fait, parce que c'est tellement infini ce qu'on peut aller reconnecter de soi et continuer à créer de soi, puisque on se crée aussi en permanence. Enfin bref, c'est passionnant. Merci pour cette invitation joyeuse. Ben, c'est avec grand plaisir, parce que c'est vrai que voilà, depuis cette fameuse masterclass de Mélanie Allayer, où j'ai mis le pied dans un univers, mais waouh. Donc là, en ce moment, il y a Sophie Chag qui a lancé la même chose en France. C'est juste pour moi, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc mon nom il est marqué en dessous, Marie-Christine Eustache. J'ai fait plusieurs épisodes de burn-out, dont un burn-out version maternelle, familiale, une petite version aussi finalement qui était un peu masquée, mais qui était quand même ça par rapport à l'activité professionnelle. Et donc je suis sortie évidemment pas à pas de cet état, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué justement. Ce qui se passe, c'est que quand on fait ces choses-là, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas son mode d'emploi, on ne sait pas comment on fonctionne. Donc, on va faire au mieux de nos connaissances, de nos compétences. Et finalement, on va s'épuiser, on va arriver vraiment au bout du rouleau. Et c'est compliqué après de rebondir. Voilà, donc ça, c'est vrai que cette histoire de mode d'emploi qui est nécessaire pour nous, justement, le Human Design apporte. Moi, c'est ma vision des choses, c'est j'ai le mode d'emploi physique. J'ai mon mode d'emploi, tout comme bon matériel qui se respecte. J'apprends avec ça à fonctionner dans mon quotidien. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très, très chouette. Et puis, donc, au fur et à mesure de mon parcours, donc, je me suis professionnalisée sur le côté coaching, parce que l'accompagnement, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Mais c'était pas professionnalisé, c'était dans le bénévolat. Et je me suis formée la fin de l'année dernière, à un outil thérapeutique qui s'appelle la reprogrammation émotionnelle du subconscient, qui est un outil qui permet d'enlever les paquets qui nous empêchent de libérer justement la joie, le bonheur. C'est toutes les casseroles qu'on peut se traîner, les boulets, vous les appelez comme vous voulez. Mais c'est vraiment toutes ces choses-là qui nous pèsent et qui font que, on a envie d'avancer, mais ça ne fonctionne pas, etc. Et c'est compliqué. Et donc, j'ai vécu moi-même ce process l'année dernière, entre mai et juillet. Ça m'a tellement libérée de choses que quand le thérapeute m'a dit, écoute, si tu veux, je fais un groupe de formation, est-ce que ça t'intéresse d'être formé ? Je me suis dit oui. C'est trop génial de pouvoir accompagner les personnes à libérer justement ces choses-là, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce à quoi on peut avoir accès. Il y a plusieurs années de ça, j'étais en burn-out, j'étais en épuisement, j'avais une santé qui était chaos. Je voulais quelque chose de mieux, mais j'ai plus que le mieux jusqu'à présent, parce que justement,
j'ai libéré au fur et à mesure des choses. Et à chaque fois, j'ai des crans supplémentaires, quoi, en fait. Il y a encore plus de joie. Et pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je remets de temps en temps sur YouTube, en ligne, des vidéos que j'ai tournées il y a 3 ou 4 ans. Mmh. Et là, on voit le changement. Yes. Je vois bien ce que tu veux dire. Je me dis, ah ouais, ah, c'était pas jojo quand même à l'époque. C'était lourd, c'était pesant. C'était... Et en même temps, j'étais au maximum de ce que je pouvais à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est pour dire qu'on a un potentiel qui est vraiment illimité. On a des choses en nous qui sont cachées, qui sont enfouies. C'est un peu comme si c'était une maison mal rangée avec une cave dans laquelle il y a plein de cachettes. Et au fur et à mesure qu'on ouvre toutes ces cachettes et qu'on fait le ménage, qu'on nettoie, qu'on apprend à fonctionner, on retrouve plus de joie. Donc justement, tu vas pouvoir nous partager, Myriam, qu'est-ce que tu as pu libérer, toi, avec cette partie de reprogrammation et puis avec tout ce que tu avais déjà travaillé, toi, en tant que professionnel, justement, par rapport à l'accompagnement Human Design. Il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir en parler aussi du Human Design. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a permis de gagner, en fait, dans ton quotidien, pour que les personnes puissent voir combien c'est intéressant? Puis moi, je vais revenir après sur ce que ça m'a permis de comprendre aussi. Ok, donc je commence par mon retour sur la programmation. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, le Human Design, et qu'est-ce que ça a apporté derrière la reprogrammation pour toi? Allez, ça marche. Alors, moi, j'ai rencontré le Human Design il y a plusieurs années avec Lisa Gounon. Je crois que c'était ma première approche du Human Design. Puis au début, je ne me suis pas du tout reconnue dans mon générateur. Puis on voit les éléments de non-soi, en fait. Bah, c'est déjà très technique du Human Design, le non-soi, mais bon, on peut très vite comprendre que ce n'est pas forcément ce qu'on est de plus essentiel. Où en fait, je n'acceptais pas quelque part d'être cela. C'est-à-dire les générateurs, c'est une grande part de l'humanité, c'est les bâtisseurs. Puis tu parlais de burn-out tout à l'heure, puis moi, j'avais été touchée par un burn-out, puis une rechute possiblement à laquelle j'ai arrêté en cours de route, et j'ai la conscience qui est venue en cours de route. Et donc, le fait de me dire générateur, bâtisseur de l'humanité, etc., moi, à ce moment-là, ça disait « Oh là là, non, moi, je ne suis pas faite pour travailler, j'en ai déjà bien expérimenté la chose, c'est terminé ça pour moi, moi, je me vois bien réflecteur, projecteur, ce que vous voulez, mais je vais guider l'humanité, mais vous ne me remettrez pas au boulot. » Donc, c'était… J'aime le partager parce que souvent, justement, le générateur est vraiment… et le manifesteur générateur sont très propices au burn-out, puisque… on est là pour donner de l'énergie, on est là pour mettre de l'énergie dans la matière, et si elle n'est pas envoyée dans la direction qui est correcte pour nous, qui est alignée à qui on est, enfin alignée c'est un mot qui peut paraître abstrait, mais en tout cas qui est dans la direction de notre joie, ben justement cette énergie vitale, le moteur il n'a plus envie de donner, et c'est là où justement on finit en burn-out. Et c'est justement, on pourrait se dire que c'est chez les êtres les moins énergétiques, donc qui sont en Human Design les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, qu'on va avoir le plus de burn-out. Mais en fait, finalement, c'est pas forcément évident, même si c'est le cas aussi certainement. Mais justement, c'est chez les êtres les plus énergétiques, mais qui ne connaissent pas forcément comment fonctionne leur énergie et comment l'optimiser, qu'on va retrouver le plus de burn-out, justement. Et donc, c'est très fréquent que j'ai à échanger sur le sujet du burn-out. Puis j'adore, contribuer avec le Human Design à ce sujet-là, parce que quel bonheur de pouvoir reconnecter avec cette puissante énergie vitale de la façon correcte pour nous, en fait, de pouvoir remettre cette énergie vitale au service de notre joie, et puis de recontacter la puissance qu'il y a derrière ça, et puis de se dire, mais en fait, oui, j'ai beaucoup d'énergie à donner dans le monde, puis si vraiment je me connecte à ce qui me met en joie, c'est puissance, c'est exponentiel, et c'est presque infini, justement. Et en ça, rien que ça, c'est un cadeau. Voilà un petit peu. Avec le Human Design, justement, on apprend, quand on a notre mode d'emploi, on sait qu'on va avoir envie de parce que voilà, je suis générateur aussi, donc on a envie de faire beaucoup de choses, hein, on produit, on produit, on produit. Mais justement, quand on a le mode d'emploi,
eh ben, ça nous permet de dire, ah ok, d'accord, mon fonctionnement, c'est ça. Donc, je vais toujours être productif, faire des choses, mais je vais respecter mon fonctionnement. Et ce fonctionnement, comme on l'apprend dans le mode d'emploi, on se dit, ah d'accord, j'ai besoin de ça. Ah oui, donc c'est normal. Oui, c'est ça. Et ce que j'aime aussi partager quand on ne connaît pas à l'avance le human design, c'est qu'on pourrait croire que le human design, c'est une case de plus dans laquelle on va se mettre ou une étiquette de plus, puis on n'a pas vraiment envie de ça. Souvent, quand on est dans un processus de déconditionnement ou quand on chemine sur soi, etc., on a plus envie d'enlever les étiquettes, de sortir des cases, etc., de sortir de la boîte. Et à premier abord, le human design, on peut se dire, ouais, mais là, on va me mettre dans la case générateur, dans la case ci, dans la case ça. Moi, je n'ai pas envie, son truc, j'en veux pas. Et l'art d'avoir la curiosité d'eux, parce que moi j'ai repoussé le human design dans un premier temps et j'y suis revenue plus tard. Et ce qui m'a fait revenir, c'est de voir des témoignages de personnes qui avaient créé des très grandes réussites et vanté les mérites du human design. Là, je me suis dit, bon, peut-être quand je vois Tony Robbins qui partage sur le human design et tout, peut-être qu'il y a quelque chose quand même. Donc, remettre en question le fait de ne pas forcément avoir raison. Hein, ça peut vraiment être utile dans nos parcours. Puis on voit ça en human design quand on a l'ajna défini, on peut avoir être très fixe sur nos idées et puis pouvoir remettre en question le fait de ne pas avoir raison. C'est moi ce qui m'a toujours sauvée de pouvoir éviter d'éviter des choses qui en fait pouvaient me contribuer. Et tout ça pour dire que voilà, c'est pas l'idée de se mettre dans une case le human design, c'est d'avoir la curiosité d'y aller. Puis ensuite le human design, c'est une science de différenciation de l'individu et comme toute science, ça pose certaines hypothèses de base, puis on élabore autour de ça et on voit si ça fonctionne. Et dans les faits, le human design, ça fonctionne, puisque en fait, moi, j'ai jamais eu une personne qui m'a dit « je ne me reconnais pas du tout dans ce que tu me partages, ce n'est pas moi du tout », ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est même très, très rare que sur la quantité d'infos que je partage, on me dise « là, je ne me reconnais pas ». Ça arrive très rarement, il y a un aspect à un endroit et du coup, ben, on zappe cet aspect, on va sur là où on peut contribuer, là où il y a des choses à dire et où ça résonne et où on peut amener de la conscience et créer plus grand. Mais c'est vraiment tellement rare. Donc, comme toute théorie, quand on postule une théorie, quand elle fonctionne, ben, on se dit « peut-être on part d'hypothèse là, mais si ça fonctionne, bah, peut-être on peut le garder. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment une case dans laquelle on se met, c'est une expérience. C'est une science de différenciation de l'individu qui propose d'expérimenter. Donc, moi, je propose, quand on ne connaît pas l'human design, c'est de venir le vivre. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup proposer des interviews, puis en parler et parler de ce qu'on expérimente avec le human design, parce que c'est ça qui donne le goût. Moi, c'est des retours de personnes qui m'ont donné le goût d'y aller. Comme tu partageais aussi tout à l'heure, hein, Marie-Christine, tout le monde en parlait dans le groupe de Mélanie, et puis d'un coup, tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que je peux aller chercher par là? Et quand on expérimente et qu'on se rend compte qu'on peut améliorer notre vie avec ça, on a envie d'aller plus loin parfois, pas tout le monde, hein, mais voilà, c'est ce que je vous souhaite avec le human design si vous le découvrez en passant par ici. Et moi, j'ai accroché, puis après j'ai été amenée à aller toujours plus loin et j'adore et je continue à apprendre avec le human design toujours plus et aller dans. Hein, le monde fonctionne en fractal, hein, puis ça on retrouve aussi en human design, c'est-à-dire que tout est exponentiel. Hein, et plus on va dans les profondeurs du human design, et puis plus on peut aller affiner et vraiment, tu parlais de Sophie Schack tout à l'heure, j'aime Sophie Schack, partage, je l'ai déjà entendu plusieurs fois dire que c'est à un millimètre, les choses sont des fois à un millimètre, et ce millimètre, eh bien, on peut aller toujours plus aussi l'affiner en human design dans ce que l'on peut découvrir de soi. Et à chaque fois qu'on va, puis du coup, je fais un petit pont avec la reprogrammation aussi émotionnelle subconsciente, c'est qu'à chaque fois qu'on va libérer quelque chose, on peut aller toujours plus finement. Toutes nos approches sont hyper complémentaires. C'est qu'on peut toujours aller, moi je suis hyper curieuse de tout ce qu'on peut aller chercher de soi, parce que même quand on croit qu'on est soi, comme tu t'en parlais aussi tout à l'heure, hein, même quand on croit qu'on a atteint un certain niveau de soi, etc., bah, le piège le plus grand, c'est de croire qu'on est accompli, qu'on est terminé, et c'est là où on se coince. Mais en fait, la meilleure façon d'aller toujours atteindre des niveaux de nous toujours plus grands, c'est d'aller chercher, de s'autoriser à découvrir au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est vraiment ce que je découvre encore toujours plus chaque jour avec le human design et avec les étudiantes de la formation aussi. Et toi, Marie-Christine, je vais justement parler. Alors voilà, oui. Donc, bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires et si vous avez des questions, posez-les, on y répondra à la fin. Donc on est ensemble pour...
une petite heure là. Donc, voilà, donc Myriam, j'ai contacté pour qu'elle me fasse ce qu'on appelle mon bodygraph, c'est-à-dire qu'elle me dise, donc elle ne me connaissait pas, enfin juste un tout petit peu par les trucs, et par ma date de naissance et l'heure, donc elle a retrouvé parce que je ne la connaissais pas, elle m'a fait mon, elle m'a sorti, bah écoute, voilà ton mode, enfin moi j'appelle ça mode d'emploi. Mais... c'est assez pertinent. Mais... C'est vraiment la, enfin le ressenti que j'ai. Et donc, moi aussi, je suis générateur, donc quelqu'un qui va produire, qui va être travailleuse, qui, etc. Tant que je suis, évidemment, dans la joie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment de ma vie, ben justement, j'étais plus du tout dans la joie. Et quand on n'est plus dans la joie, eh ben, on va s'éteindre petit à petit, jusqu'à faire éventuellement justement burn-out, dépression, enfin des états pas bien. Et là, pour rallumer la joie, ben, ça va demander du boulot. Donc c'est vrai que je, bon, voilà, c'est quelque chose évidemment que j'ai découvert plus tard. J'ai aussi appris avec le Human Design à reconnaître, à interroger qu'est-ce qui. Alors j'avais cette réponse que j'avais eue par les cousins québécois. Avant de faire quelque chose, tu dis est-ce que ça te fait oui ou est-ce que ça te fait non. Et Myriam me raconte, elle me dit mais en fait, c'est avec les onomatopées, est-ce que ça fait d'accord, donc ça fait juste c'est pas la peine d'y aller, par contre, ça fait voilà, on y va. Et puis, bah, en fait, au fil des pages, bah, y a tout plein d'explications. Et je sais qu'il y avait un truc qui m'avait amusée, j'ai dit bah ouais. J'aime réseauter et j'aime aussi être toute seule. Bah oui, mais on pourrait dire, bah oui, mais réseauter, c'est être avec du monde, et être toute seule, c'est antinomique. Bah non, c'est juste qu'il y a des moments où je vais faire du réseau et il y a des moments où je vais être toute seule. Et c'est OK. Et c'est important, du coup, pour moi, de le savoir, de dire, bon, bah oui, OK, ça fait partie de mon fonctionnement, parce que si je suis toujours avec du monde et qu'il y a un moment je ne me sens pas bien, que j'ai envie de me mettre à l'écart, ben, je vais pouvoir juste expliquer aux personnes ben, j'ai besoin pour mon énergie de me mettre un petit moment à l'écart, de me ressourcer, puis je reviens avec vous tout à l'heure. Et comme ça, les personnes ne vont pas... quand on explique les choses, les personnes ne vont pas se dire bah, « qu'est-ce qui est fait ? Elle se barre ? Elle s'emmerde ?» enfin, et puis après de se faire toutes sortes de suppositions qui vont pas forcément être bonnes. Voilà, alors j'ai découvert évidemment plein de choses, je ne vais pas vous parler de tout, mais alors j'ai beaucoup rigolé, c'est avec l'histoire de la cuisine. Ah oui. La cuisine, c'est l'environnement dans lequel je vais être bien. Mmh. Bah, justement, je vais passer 4 jours dans le golfe du Morbihan, en bateau, sur l'eau. Sur donc, l'eau, et oui, donc l'environnement humide. L'environnement humide, donc là, je vais en profiter à fond. Et puis, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a énormément d'informations dans le bodygraph, ce qui fait que c'est indispensable d'être accompagné. Et après, ce temps que j'ai eu avec toi, Myriam, c'était vraiment indispensable pour expliquer, parce que très clairement, j'avais commencé à lire, il y avait des choses que je comprenais un peu, mais sinon, ça fait trop. Et c'est un plaisir, en fait, de se dire, ah ouais, en fait, les humains, on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui va nous expliquer ou nous donner notre mode d'emploi au-delà de ce qu'on peut découvrir par soi-même. Parce qu'évidemment, le développement personnel va permettre de gagner des choses. Mais on va y mettre combien d'années ? Yes. Si on a envie d'aller plus vite, si on a envie de pouvoir bah, avancer. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai vraiment mis les gaz à fond et que j'ai fait ce parcours de reprogrammation parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'avançais, que j'avais fait du travail. Mais j'avais l'impression de me sentir un petit peu comme une Ferrari qui est là, puis vous, ça avance pas. Bon message. J'ai beau mettre la pédale à fond, ça fait rien. Alors évidemment, pour certaines personnes à l'extérieur, ça va peut-être pas forcément. Ils vont se dire, bah ouais, mais non, en fait, c'est. Enfin, il y a des personnes qui vont plus vite. Oui, mais je viens de très très loin. Et c'est important de pas se juger soi-même, surtout parce que évidemment, quand on arrive dans des environnements comme le défi de Sophie ou la masterclass de Mélanie, on se dit. Ah ouais, non, mais il y en a, au bout d'un an, elles ont complètement révolutionné leur vie, etc.
Oui, mais chacun avance avec son mode d'emploi et l'important d'avoir ça, c'est de faire au mieux des outils qu'on a et puis de notre histoire. Totalement. Puis on ne connaît pas toujours tout le parcours des personnes qui partagent une année de leur parcours aussi. Exactement. C'est des parcours qui sont hyper complexes. Voilà, pour ma part, j'ai traversé plusieurs épisodes de burn-out, une période de divorce très compliquée parce que, en fait, j'en avais pas conscience. J'étais en état de dépendance affective, donc c'était très compliqué de me construire, de me reconstruire. J'ai eu tout plein de problèmes de santé physiologique. Évidemment, en général, tout se cumule. Sinon, c'est pas drôle. Donc, et d'ailleurs, c'est vrai que ce côté d'être en joie, eh bien, je l'ai bien vu dans ma vie. Il y avait des moments où j'étais pas joyeuse. Et il y a une photo, c'est là où j'ai pris conscience que j'avais quelque chose, enfin, ça allait plus. Et j'ai pris une photo, j'ai une tête, mais ça fait peur, quoi. Et il n'y avait plus de sourire, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de plaisir. Je me souviens des premières fois où le thérapeute avec lequel j'ai travaillé me dit « t'aurais envie de quoi ?» J'en sais rien. Ça faisait tellement longtemps que je ne faisais plus rien pour moi. Il y avait des petites choses, mais on perd en fait cette joie. Et puis, il y a un moment où on se dit « de toute façon, c'est comme ça. Quoi. J'ai des problèmes de santé, ça ne va pas. » Et on a l'impression que c'est une fatalité. Or, ce n'est pas une fatalité. Justement, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos que je partage. Parce que ce n'est pas une fatalité. S'il y a un moment, on a perdu la joie qu'on avait. Quand on est tout petit, on est très joyeux. J'ai retrouvé des vidéos de moi parce que mes parents m'avaient filmé petite. Une vraie chippie, espiègle, joueuse, etc. Et j'ai pu reconnecter ça justement avec la reprogrammation émotionnelle du subconscient. Parce que comment on va reconnecter aux souvenirs d'enfant, on se rend compte que on est super joyeux à l'intérieur de nous. On a tout étouffé, on a tout fait une grosse carapace, et la carapace, ça devient un peu invivable, quoi. Et donc, toi, du coup, après, qu'est-ce que ça t'a permis, justement, cette reprogrammation émotionnelle? Parce que tu avais déjà bien travaillé, toi, sur ton mode d'emploi, sur ton fonctionnement. Il y a plein de choses déjà d'acquises. Oui, alors, mais sur la reprogrammation émotionnelle, j'ai adoré en parler. Je suis vraiment très heureuse de partager. Et je voulais juste rebondir sur ce que... merci pour tous tes retours. Et je trouve ça vraiment génial de voir la complémentarité entre... la séance en human design et le livret qui est plus contemplatif où tu peux revenir quand tu as envie et puis qui va infuser aussi subconsciemment parce que souvent on va être très acteur de nos transformations mais en fait le pouvoir de notre subconscient puis en reprogrammation c'est le cas de le dire aussi est vraiment très puissant donc en fait rien qu'en lisant le livret il va y avoir des choses de la conscience qui va se déposer et nos comportements vont changer mais ça on se rend quand c'est facile, on ne s'en rend pas forcément compte aussi et on veut être acteur. Et donc, c'est vrai que les séances, elles permettent de venir de façon pragmatique, toucher un sujet en particulier, quelque chose de présent dans l'instant et de venir acter sur quelque chose. Mais dans tous les cas, dès qu'on met de la conscience puis qu'on vient poser les mots, nos activations sont en parallèle avec notre génétique et donc nos gènes vont se transformer. Hein. Le pouvoir de l'épigénétique aujourd'hui est vraiment plus à démontrer. Et donc, rien que de lire le livret, il se passe des choses au niveau énergétique. Donc je voulais juste amener cette part-là aussi qui est vraiment, c'est un super outil à venir ouvrir de temps en temps aussi le livret pour continuer à faire infuser énergétiquement les choses et donc je rebondis sur la reprogrammation émotionnelle subconsciente puis cette séance que j'ai pu vivre avec toi et je voulais juste faire un petit peut-être un petit point sur mon parcours avec la suggestibilité en fait parce que c'est vrai que moi je reviens de loin aussi dans mon parcours et puis avec toutes les choses qui ont pu me bloquer jusque là et puis je sais qu'on peut toujours atteindre des niveaux de liberté toujours plus grands dans nos vies puis qu'au moment où on se sent déjà vraiment bien libéré parce qu'on revient de loin justement en fait on n'a aucune idée de ce que ça peut être encore mieux donc je suis vraiment tellement à chaque fois je me dis à chaque fois que je suis en reconnaissance et en gratitude, je me dis, punaise, mais ça va être encore tellement plus beau dans un an, dans deux ans. Et puis, tu parlais de se voir 4 ans avant, etc., dans nos vidéos. Moi, à chaque fois, j'ai tellement de compassion pour celle que j'ai été. Et je me dis, je vais me regarder dans plusieurs années avec encore tellement de compassion parce que
on a ce courage aussi d'être tel que l'on est hein, dans l'instant aussi. Tu parlais que quand on est enfant, on est dans la joie, mais on est traversé par plein de choses. Et autant on est dans la joie et autant bah, l'human design, par exemple, on peut voir, pardon, je divague, qu'on peut aussi être traversé par de la mélancolie. Puis c'est important que tout le monde sache que la mélancolie, de tout un tas d'émotions, puis c'est aussi ce qu'on vient voir aussi en programmation émotionnelle subconsciente, c'est qu'au lieu de refouler ça, on peut juste aussi le ramener, ramener à la surface et puis le subjuguer, quoi, le sublimer et puis en faire autre chose. Mais c'est aussi OK d'être traversé par des choses au quotidien. C'était une chose qui m'avait interpellée quand on parlait aussi tout à l'heure. Et donc, la subjectivité, moi, en fait, au début, je me rappelle le premier... j'étais allée à un atelier d'auto-hypnose. C'est la première fois où j'étais en contact, on va dire, avec la suggestibilité, si on peut dire. J'étais très résistante à ça. En fait, j'avais tellement peur de ce que je pouvais aller découvrir aussi. Et c'est pour ça que je vais amener que c'est OK d'être traversée par plein de choses et d'avoir vécu plein de choses, parce qu'en fait, on a la capacité de regarder ces choses-là en face et on a la capacité, parce qu'en fait, cette peur... que moi j'ai pu identifier par la suite, c'est que on a peur de qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur. En fait, on a peur de nous, on a peur d'être mauvais au fond, on a peur de plus être aimable après ce qu'on aura découvert, on a peur de tellement de choses. Enfin, ça peut prendre tellement de formes en fait, dépendamment de ce qui nous habite. Mais personnellement, moi, c'était très, 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 très empreint de tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, une expérience après l'autre, que c'était toujours plus libérateur et jusqu'à avoir un degré de suggestibilité maintenant, je suis très très suggestive aujourd'hui et j'adore ça parce que je sais qu'à chaque fois ça va être un bonheur d'avoir libéré, de conscientiser des choses, d'accéder à des nouveaux espaces. Donc je voulais le mentionner parce que je souhaite vraiment à tout un chacun qui peut avoir des résistances à aller vers se faire accompagner en se demandant mais qu'est-ce qui va m'arriver, etc., la reprogrammation, qu'est-ce que ça peut être et tout, parce que assez souvent on m'en parle, peut-être parce que ça fait écho avec mon propre parcours, mais qu'en fait d'avoir cette curiosité d'aller se chercher à l'intérieur et puis qu'en fait c'est que du beau, de ce qu'on même si on peut aller regarder des choses pas confortables, le cadeau derrière c'est vraiment tellement beau. Et moi, ça a été aussi via l'hypnose que j'ai fait remonter des mémoires d'abus. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé certaines modalités pour me permettre d'aller récupérer, remettre à la surface des choses refoulées vraiment très très fortes. Donc je voulais aussi le mentionner parce que je pense qu'avoir été abusée à 5 ans par son père, c'est une des choses vraiment très forte qu'on peut vivre, voilà, et que possiblement on peut refouler dans une vie, et que donc moi, mon human design m'invite à partager mes expériences et que ça peut résonner dans la vie d'autres personnes, c'est que aussi fortes que peuvent être et intenses que peuvent être les expériences qu'on a pu vivre, on a la possibilité de le faire retraverser. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, puis on a pu laisser des choses et fonctionner à partir de créer des schémas de fonctionnement pour que ça fonctionne pour nous, mais qu'à un moment donné, c'est OK aussi de s'en libérer. Et c'est le cadeau que nous fait aussi la reprogrammation émotionnelle subconsciente. Donc, avec toi, j'ai aussi beaucoup aimé partager cette séance. Donc, j'avais déjà un petit background, pas tant que ça, hein, parce que je ne faisais pas non plus des séances tout le temps, mais je suis devenue assez suggestible. Et même moi-même, je peux me mettre aussi des fois dans des états d'auto-hypnose, mais ou d'auto-suggestibilité, et puis aller me connecter à des espaces, me connecter à des émotions et pouvoir les relâcher et les transmuter. Donc, j'avais déjà un process autonome avec ça. Mais je sais aussi que personnellement, il y a des choses qu'on ne va pas voir seule, que parfois, l'inconfort fait qu'on contourne assez bien. Et d'ailleurs, je voulais encore honorer la manière dont tu avais navigué la session qu'on a vécue ensemble, parce que effectivement, j'étais en état de suggestibilité et en même temps consciente, puisqu'on reste aussi conscient pendant l'expérience. Et c'est important aussi de le mentionner. Je voulais honorer la manière dont tu avais navigué à travers mes résistances, justement, à travers les espaces qu'on a pu aller visiter. Et les résistances à ne pas forcément aller voir ou ne pas forcément dire ce qui pouvait avoir envie d'être dit, ou s'exprimer justement pour transmuter les choses dans le moment, et comment tu m'avais emmené vers un autre souvenir et ramené sur le premier ensuite à la fin.
Donc, pour avoir déjà eu de l'expérience en la matière, j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que j'ai déjà eu pratiqué, je pratique aussi seule, et j'ai reçu une grande contribution avec ta session à pouvoir être, être guidée, j'allais dire être dirigée en fait, hein, c'est-à-dire pouvoir lâcher totalement le contrôle quelque part, même si dans la résistance on voit que le contrôle il se lâche pas non plus totalement tant que ça, ça demande à être un petit peu, à être un petit peu dirigée, enfin comment dire, le mot m'échappe que je voudrais utiliser là, mais à être accompagnée en fait, à être guidée quelque part. Même si c'est le subconscient qui guide, n'est-ce pas ? En fait, tu auras certainement l'occasion d'en dire aussi. Oui, je vais expliquer après. Voilà, d'expliquer ensuite. Le côté technique. Voilà, c'est ça. C'est pas mon rôle pour ça. Moi, je suis juste là pour évoquer mon partage avec ce que j'ai vécu avec toi. Et en fait, au-delà de donc déjà du fait que c'est super bien navigué, parce que voilà, tu nous emmènes. Tu poses l'espace, puis on peut vraiment se laisser aller à ce qui peut se présenter. Et j'adore toujours. Et puis là, on est allé voir, je crois, trois scènes, hein, et puis trois espaces où j'ai vraiment pu, et même encore après la session, déjà pendant la session, mais après, juste après la session, il y a comme un moment de flottement où ben, on revient avec ce qui s'est passé. Et puis bon, toutes les cases ne sont pas encore remises bien en face, là, où ça dépend comment les sessions se passent, mais moi, c'était mon cas où... Bon, il y a des choses qui se redéposent encore après, souvent. Enfin, pour moi, en tout cas, mon process fonctionne. Je pense qu'on est quand même nombreux à processer comme ça. Dans le temps, les choses se déposent au fur et à mesure. Et j'ai pu vraiment aller au contact d'être, en fait, à l'âge, pour expliquer clairement comment c'est ce que j'ai vécu dans cette session, à être à certains âges. Donc, je pense que, je sais pas, on était à 3 ans. Puis après, on est allé voir un souvenir où j'étais à peine née. Je crois que j'avais avoir quelques mois. Et un autre souvenir ensuite où je me rappelle plus très bien, mais bon, bref, des âges très de l'enfance, et où j'ai pu vraiment revivre complètement l'émotion que je vivais dans l'instant, même si j'ai pas tout conscientisé dans l'instant et dans l'échange avec toi. Mais ensuite, il y a d'autres choses. J'ai pu revoir encore des choses où j'ai pu me dire à me revoir dans ces états émotionnels là de l'enfant et à comprendre des choses. Voilà pourquoi je peux vivre ça aujourd'hui dans ma vie, parce que si j'ai vécu telle émotion à tel âge, puis vraiment d'avoir vécu la scène, d'avoir ressenti l'émotion en moi et de me dire mais c'est pas étonnant qu'aujourd'hui je puisse vivre ça dans ma vie si j'ai ressenti ça à ce moment-là en fait. Et donc ça a été vraiment très parlant au niveau notamment une crainte que je pouvais avoir de l'énergie masculine en général et notamment dans sa puissance, puisque j'avais été dans la crainte de la colère de mon père pendant très longtemps. Puis bon, après il y a eu l'abus, mais le souvenir dans lequel on était allé, c'était plutôt par rapport à la colère et à la crainte que je pouvais avoir de sa présence. Et rien que à conscientiser cette crainte de la présence de mon père dans la pièce à certains moments, et donc bon, après tout ce que ça impliquait par la suite, mais rien que d'être en présence de cette crainte en sachant que en tant qu'accompagnante je sais que les hommes dans ma vie sont le reflet aussi de ce que j'ai pu vivre avec mon père, etc. Voilà, l'énergie masculine en général, donc c'est sûr que la conscience ensuite s'installe à différents niveaux, mais ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça, de pouvoir me revivre dans l'émotion. Puis il y a pas que ça, parce qu'il y a aussi tout le process que tu nous emmènes à faire, à aller dire les choses, justement, à vivre, vivre l'émotion, parce que la conscientiser, c'est la première étape du changement. Et ensuite, à pouvoir verbaliser les choses qui ont pu être là, et puis qui, par exemple, sous la crainte, à 3 ans, je n'aurais pas verbalisé à mon père, de pouvoir le verbaliser pendant la séance, par exemple, et donc transformer l'expérience, c'est-à-dire on réinvente l'histoire, hein, quelque part aussi, dans ça. Enfin, t'en parleras certainement aussi mieux que moi par la suite de ce que ça crée. Et également, voilà, donc ça, c'est très, très important pour ma relation, ma relation au monde, en fait, en général, parce que, déjà là, c'était l'aspect relation, ça m'a vraiment permis de conscientiser, puis je continue à conscientiser avec ça, c'est-à-dire que au-delà de... c'est par couche, en fait, à chaque fois, puis du coup, là, je rentre encore dans une nouvelle couche où je me rends compte que je peux même éviter des fois des hommes puissants dans ma vie parce que ça a créé à un moment donné. Donc, du coup, je m'empêche. Alors, il y a eu un moment où du coup, ça m'a permis de conscientiser des choses. Puis, on élargit encore les choses et on dit oui, mais en fait, c'est le
si je vais chercher ce niveau de sécurité en moi, par exemple, je peux me permettre aussi d'avoir des hommes puissants autour de moi sans craindre leur courroux, si on peut dire, parce que en fait, je suis stable dans mes fondations. Puis ça, forcément, dépendamment des enfances qu'on a eues, quand les fondations étaient ébranlées, et puis bah, moi, ça a été mon cas, et ben, du coup, il y a des formes d'insécurité qui se créent, qui font qu'on ne va pas pouvoir être en présence de certains êtres et certains espaces et certaines émotions et autres, parce qu'il y a ce bagage passif. Mais en fait, moi, pendant longtemps, ça fait que c'est des situations que j'ai évitées, mais en fait, au fur et à mesure que les choses s'installent, en fait, finalement, recréer la sécurité permet de se reconnecter plus pleinement au monde et à toutes les énergies, en fait. Et même la colère, même le courroux, même si ça a été impactant et fort et dur à certains moments de l'enfance, de pouvoir juste être avec cette énergie, en fait, et savoir que c'est safe à l'intérieur, parce que moi, je vais naviguer ma vie, je vais faire mes choix et je ne vais pas être l'impact de ce qui est en train de se passer à l'extérieur, en fait. Donc, je voulais faire ce partage-là par rapport à la colère. Puis, il y a eu d'autres espaces aussi par rapport à la connexion au monde dans le deuxième souvenir. De par le contact que j'avais avec ma maman dans ses bras et où j'ai pu en conscientiser, en fait, en venant dans la conscience du nouveau-né. Mais ça, je trouve ça vraiment génial. Ouais, j'adore les espaces qu'on peut aller connecter. Après, la part de ce qui est réinterprété dans le moment, c'est, je ne sais pas, mais ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est ce que ça crée dans l'instant pour nous et pour la suite. Connecter un espace d'avoir coupé la connexion au monde en n'arrivant pas à rentrer en connexion, justement. Et ça, c'était vraiment aussi assez fort de le vivre et donc de naviguer avec toi dans cette séance, Marie-Christine, et de pouvoir aller réouvrir un espace. C'est vraiment, je me rappelle de la suite de ce moment où il y a eu vraiment une réouverture et puis même une sensation de froid qui se transforme en chaud avec le monde. Et c'est fou, comme on parlait tout à l'heure, qu'on peut toujours ouvrir plus grand, parce que avant cette session, je ne pouvais pas imaginer que mon environnement extérieur était aussi froid, quelque part, de ce que je pouvais que j'ai pu conscientiser, parce que ça, dans un sens, ça ne l'était pas totalement, mais ça l'était par rapport à ce que ça pouvait être de toujours plus chaud, en fait. Et c'est là où c'est génial, c'est que ça ouvre des espaces toujours plus grands. Et donc, ça me permet, voilà, d'aller pouvoir être toujours plus au contact de mon environnement, de façon sécure et de façon connectée aussi. Donc, voilà pour l'expérience que j'ai pu faire avec la séance qu'on a pu vivre ensemble pour évoquer. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, merci beaucoup pour ce retour. C'est toujours très, très chouette. Voilà, on en avait déjà un petit peu parlé. C'est pour ça qu'on a eu l'envie, du coup, toutes les deux, de faire cette séance en direct pour vous partager les choses, parce que aussi bien l'human design que la reprogrammation, finalement, il y a un côté plus, je vais dire, pratico-pratique, d'apprendre comment on fonctionne, etc. Et que malgré tout ce qu'on peut faire d'un côté conscient et que le bodygraph va amener en conscience, eh bien, il peut y avoir des choses où on se dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi ça n'avance pas, pourquoi je procrastine, pourquoi j'évite telle situation, pourquoi j'arrive pas à me mettre en couple, pourquoi tous les projets que je veux mettre, finalement, ça avorte, etc. C'est parce que dans le subconscient, c'est notre pilote automatique, mais c'est aussi notre garde du corps. Il est là pour... Attention, je veux que tu restes en vie, que tout se passe bien pour toi, d'un point de vue, rester en vie. Je m'en fous que tu sois triste. C'est ça. J'aime rien. Tout le monde est en vie, tout va bien. Tout le monde est en vie, tout va bien. Ouais, mais enfin, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ça peut être un peu quand même. Hein. Voilà. Donc, ok, merci le subconscient, c'est cool, tu m'as gardé en vie. Maintenant, j'ai envie de faire un petit peu autre chose. J'ai envie de m'éclater un petit peu plus, donc on va aller libérer. Et donc ça se fait, donc comme tu en as parlé, en hypnose. Alors l'hypnose, je vais recadrer les choses pour beaucoup de gens qui ne savent peut-être pas. L'hypnose, c'est juste un état de relaxation profond. Quand on conduit sa voiture et qu'on est en train de conduire, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi je suis rendue là? C'est pas là que je voulais aller.
c'était un état d'hypnose. D'accord ? Donc, en fait, en reprogrammation émotionnelle, eh ben, on va se mettre, enfin, la personne que j'accompagne, moi aussi, clairement, je me mets en fait dans un état un petit peu hypnotique, ce qui me permet d'être connectée énergétiquement à la personne pour justement naviguer, comme tu expliquais. Parce que si je restais juste sur ma partie consciente, ce serait une partie contrôlante. Mmh. Et il faut savoir qu'en fait, moi, je suis juste là pour induire, pour amener la chose. Et c'est la personne, donc là, en l'occurrence, ben, c'est toi, Myriam, qui a amené le souvenir et qui permet, voilà, par mon accompagnement, ben, de libérer les émotions. Alors, ça peut être les pleurs, ça peut être la colère, ça peut être, voilà, ben, non, j'ai pas envie d'en parler. Ok, bon, on va aller voir autre chose, on va naviguer, puis après, on peut revenir ou pas. Mais là, justement, c'est moi, quand je me mets un petit peu en état d'hypnose aussi, ce qui me permet, du coup, de ressentir, d'être connecté à l'énergie et de pas fonctionner avec mon mental qui pourrait dire, alors, attends, là, il faut tel outil, là, maintenant, il faut tel outil, il faut que j'aille voir tel truc, maintenant, ça marcherait pas. Parce que le subconscient, il a besoin d'être en confiance. Mmh. Et que si j'étais dans mon mental, dans mon contrôle, eh ben, indirectement, ton mental, ton subconscient, il se dirait, alors là, attends, elle essaie de me le faire dans un sens, machin, je ferme les portes et je ne bouge pas. Là, évidemment, ça on se connecte l'un l'autre. Oui, pendant la exactement, session, on se connecte et ça permet de libérer des choses. Et après, pareil, une fois que c'est libéré, la guérison, la façon dont tu vas reprogrammer toi-même, c'est toi qui décides. Et c'est pour ça que ça fait un double, voire un triple effet qui se coule, parce que la partie qu'on va guérir lors de la séance, bah, derrière, comme tu as dit, bah, toutes les cases ne sont pas rangées, et en effet, ça continue. Le subconscient, il est un peu… Oui, il faut se réorganiser après ça. On fout le bordel là-haut, là, qu'est-ce que je fais ? Et donc, les choses vont se redéposer tranquillement, les trucs vont se mettre à la place, et puis… Comme tu l'as expliqué, tout d'un coup, il y a un truc qui vient se poser. Tu te dis, oh, waouh, ah ouais, j'avais pas vu ça. Et en fait, on élève notre conscience à voir les choses d'une autre façon. Et moi, c'est ça qui m'a énormément touchée, que j'ai énormément remarqué quand j'ai fait le process. C'est, ah ouais, ça développe énormément d'amour. Ce qui fait que une personne qui va faire quelque chose qui, à l'origine, enfin, il y a quelques mois de ça, m'aurait déclenché. « Ouais, mais c'est pas possible !» Eh bien là, non, parce que je ne vois pas l'être humain, comment dire, sur un premier niveau. Mmh. Je vois finalement l'être à l'intérieur. Mmh. Je vois peut-être le petit garçon ou la petite fille qui se sent perdu, qui ne sait pas quoi dire, qui ne sait pas comment faire, etc. Et ça permet d'avoir, du coup, comment dire, une vision beaucoup plus compatissante, beaucoup plus bienveillante. Mmh. Et d'avoir cette bienveillance, pas juste mentale et technique, d'avoir vraiment une bienveillance du cœur, ce qui fait que l'autre va se sentir complètement accueilli et va pouvoir avancer et grandir. Parce que l'objectif, c'est que chacun puisse évoluer, grandir dans son process, dans sa guérison, dans son aisance, et permettre aux autres autour de soi de grandir. Ça, c'est vraiment, je trouve, la plus belle chose. Et moi, ce que j'adore, les personnes que j'accompagne, c'est qu'on fait des voyages qui sont juste extraordinaires. C'est-à-dire qu'on reconnecte, la personne reconnecte à toi, t'as reconnecté à ta petite fille, etc. Et sur la partie guérison, il y a des trucs extraordinaires. La personne dont j'ai fini l'accompagnement, elle me dit, ah ben là, on va faire de la balançoire. Et là, donc moi, comme je suis aussi en auto-hypnose, ben, je m'imagine que je suis aussi... J'en profite. Et du coup, moi, ressentant ça, ben, ça envoie l'énergie, même si on est par écran, la personne, elle amplifie ce sentiment. Oh, ouais, c'est trop chouette de faire.
ou alors je vais courir dans un champ, je vais cueillir les marguerites, je vais faire des galipettes, je vais faire des sauts, tout plein de trucs qu'en tant qu'adulte bien éduqué, un peu coincé, on ne fait plus. Et donc, quand on reconnecte à ça, quand on s'autorise à faire ça pendant une séance, c'est vrai que ça libère énormément et ça continue, en effet, à libérer après. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Alors, je vais préciser quand même quelque chose parce que c'est vrai, ce qu'on a fait toutes les deux, c'était un petit peu exceptionnel par rapport à la pratique que j'ai, c'est qu'on a fait juste une séance. Et je l'ai fait avec toi parce que je savais que tu avais déjà énormément travaillé, que tu avais déjà fait tout un process. C'est quelque chose que je ne vais pas faire, évidemment, avec quelqu'un qui est sur un démarrage de développement de travail, parce que justement, quand on vient secouer ce subconscient et faire sortir certaines choses, il y a un double, voire un triple effet qui se coule. Et si on fait juste une séance, la personne, elle peut se retrouver très mal parce qu'elle n'a pas les outils à l'origine. Donc, toi, il n'y avait pas de souci, je savais que tu avais tout ça et que tu gérerais s'il y avait quoi que ce soit qui remontait. Mais c'est vrai que ça ne va pas être le cas de tout le monde. Donc, ce qui fait que le process que je propose, c'est un parcours de 8 séances. Il y a 8 séances de reprogrammation, il y a une séance de coaching. Et à la fin du parcours, il y a une partie où je transmets la méthode. Donc, toi, tu avais déjà, puisque tu fais de l'auto-hypnose, mais pour que la personne, après, elle soit autonome. Mm-hmm. Parce que moi, l'autonomie, c'est quelque chose d'hyper important et je n'ai pas envie que la personne déjà, ce n'est pas moi qui fais le taf, c'est la personne qui fait son chemin. Et une fois qu'elle a fait son gros nettoyage, elle va pouvoir faire l'entretien régulier. Donc, toi, tu es déjà équipé pour faire ces choses-là, tu le fais par toi-même, c'est bon. Yes. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, on ne laisse pas la personne dans un espace qui peut mettre pas bien quoi, après. C'est super important. Ouais. Et je peux témoigner de ça aussi, d'ailleurs, je trouve vraiment génial que tu le proposes comme ça sous forme de parcours, parce que quand moi, j'ai reçu une séance d'hypnose qui m'a fait recontacter avec avec l'énergie de l'abus et puis l'effroi, en fait, hein, vécu à ce moment-là. C'était assez intense dans mon espace. Et j'ai pris très tard la mesure de tout ce que ça avait créé dans mon univers juste après, en fait. Et je n'avais pas, justement, ce suivi-là. J'ai choisi de le vivre différemment, hein, dans un plan de conscience plus large où on ne sait pas toujours ce qui se passe. Donc, qui m'a un petit peu fait me retrouver seule avec cela. Bon, c'était un choix à ce moment-là. Mais si aujourd'hui, je peux témoigner de la pertinence d'être accompagnée puis d'avoir un suivi sur ça, parce que je pense que j'aurais... moi, derrière, en fait, ce que ça a impliqué, c'est que tous mes espaces sont partis en vrille, en fait, ma situation professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime accompagner dans leur transition les personnes qui sont indépendantes, parce que je sais que parfois, la transition, ça vient vraiment chambouler. Comme tu disais, ça reconnecte les étages. Puis des fois, ça a des impacts sur notre vie extérieure, le temps que les choses se réagencent. Et moi, je venais vraiment chambouler un truc qui avait été refoulé depuis 30 ans et vraiment beaucoup d'intensité. Et en fait, tout mon espace est parti en vrille. Vie professionnelle, j'ai enchaîné les dettes, etc. J'arrivais plus à travailler et je n'étais pas suivie pour ça. Donc, je suis allée vraiment vivre tout ce que ça a fait remonter de ça, mais vraiment de façon assez seule. Donc, si je peux témoigner aujourd'hui de la pertinence d'être accompagnée. Puis c'est pour ça aujourd'hui que moi, quand j'accompagne en individuel aussi, j'accompagne sur 6 ou 12 mois. Enfin, j'accompagne sur un certain temps parce qu'il y a des choses, quand on va les rechercher, c'est hyper safe d'y aller et c'est hyper important de reconnaître la pertinence d'avoir un soutien, un suivi derrière qui mène vers l'autonomisation. Le but, ce n'est pas de rendre des personnes dépendantes, parce que des fois, j'entends ça sur les longs accompagnements, qu'il n'y a pas forcément la pertinence, mais dépendamment de ce qu'on va récupérer, de ce qu'on va retransmuter, le suivi est vraiment hyper pertinent, dans tous les cas d'ailleurs, puisque on va toucher à des espaces qui n'ont pas été touchés depuis... On part de l'enfance, hein, donc souvent pour la plupart d'entre nous, quand on arrive à ces parcours-là, on a déjà plusieurs dizaines d'années de non-contact avec ces espaces. Donc, ça a forcément un impact quand ça remonte. Et d'avoir un suivi et de pouvoir continuer les séances, voilà, je trouve vraiment merci d'offrir ça au monde aujourd'hui, Marie-Christine, parce que c'est vraiment un tel cadeau pour nous permettre
de faire ce chemin de façon plus sécure que de rester seule dans son coin. Et puis, dépendamment justement de ce qui a pu être foulé, on peut justement avoir du mal. Enfin, du mal. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais voilà, moi, c'était quelque part, c'était des espaces de pas spécialement vouloir me confier à l'autre aussi, hein, puisque comme je partais tout à l'heure, il y avait une coupure dans la connexion à l'autre aussi. Mais voilà, même si ça, c'est présent, pouvoir sentir que la personne est là pour nous et pas contre nous, et que c'est vraiment pertinent. Moi, si je peux être un témoignage aujourd'hui, que c'est vraiment pertinent d'être accompagnée et d'oser, de se permettre ça, de se permettre de s'offrir ça et de reconnaître qu'on mérite ça. On mérite aussi d'être accompagnée sur un certain temps, on mérite de ne pas le faire seul. On a le droit que ce soit doux aussi dans la transformation, de pouvoir recevoir du soutien, de pouvoir être accompagnée dans ça, et qu'on voilà, on est vraiment digne de ça. Ça me tient vraiment à cœur de passer ce message-là aujourd'hui. Donc, merci de proposer ce parcours-là et ce support-là qui mène vers une autonomisation avec ça. C'est vraiment génial. Merci, Marie. Ben oui, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvés toutes les deux, parce que voilà, tu as la même façon de voir les choses, les valeurs similaires, parce que voilà, c'est pareil. Si vous demandez à quelqu'un, je vois mon bodygraph, puis hop, tiens, débrouille-toi. Enfin, ok, alors mon mode d'emploi, d'accord, je fais quoi? Je fais comment avec ce truc-là? Comment je l'applique? Comment je le mets en place? Ouais, mais alors dans ma vie, il se passe ça, il se passe ça. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Comment je le comprends, etc. Enfin, c'est le genre de truc qui peut, si on n'a pas un accompagnement, ben, ça va faire plus de nœuds au cerveau que de ne pas l'avoir, dans ce cas-là, de ne pas le prendre. Hein, donc, ben, c'est vrai, c'est ça que je peux recommander aussi, c'est qu'on peut avoir envie d'avancer rapidement. Ça, c'était mon cas. Et il y a du monde toujours connecté. N'hésitez pas à nous mettre un petit coucou en commentaire. Yes. Si vous avez des questions, posez-les, on y répondra bien sûr. Et pour les personnes qui verraient en rediffusion, eh ben, n'hésitez pas non plus, on répondra aussi bien l'une que l'autre aux questions. C'est complètement OK avec ça. Donc voilà, c'est vraiment. On peut avoir voilà envie d'avancer, d'aller vite, ok. On peut se dire, ah ouais, il y a tel outil, je vais avancer super vite. Oui, mais avec un certain délai. C'est pas clac, j'ai mon bodygraph et je sais comment je fonctionne. Non, ça va demander du temps d'acquérir. Et puis il y a certaines choses, on va se dire, ah, attends, ça, ce truc-là, je vois pas trop comment. Ben, peut-être parce que justement, il y a des choses à libérer, il y a des trucs qui sont coincés, il y a des tiroirs qui ne sont pas ouverts. Et ben, en libérant certaines choses, il y a des trucs, ah ouais, ok, après, je n'avais pas vu ce truc-là, je le vois autrement. Et c'est quelque chose qui se déroule sur le temps. Donc voilà, 6 mois, 1 an, ben, c'est le temps. D'une grossesse, d'une gestation, d'une transformation. Et plus en fait, plus on va être OK que ça puisse demander du temps, plus ça va se faire rapidement. Par contre, si on est là, ah oui, alors là, je veux ça tout de suite, là maintenant, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Donc, c'est important de se dire, OK, je me donne 6 mois pour comprendre, pour acquérir. Et peut-être que ça va se faire beaucoup plus vite. Yes, totalement. Merci d'amener cet aspect-là, de relâcher justement l'attente sur le fait que ça soit rapide. Puis, quelque part, la notion de temps, elle est vraiment relative ici, parce que 6 mois, 1 an sur la libération pour toute une vie. Mais comme on le disait tout à l'heure, en fait, on ne le voit pas ça quand on rentre dans le processus. Puis, des fois, j'ai envie de dire heureusement, en fait. Heureusement qu'on ne sait pas le process et qu'on ne sait pas le temps que ça va prendre, parce que des fois, on n'irait pas. Et ce n'est pas pour décourager, mais en fait, c'est normal, en fait. Ça fait partie de l'humanité. C'est quelque part, si on fait toute notre vie à l'envers, là, est-ce qu'on irait dans certains espaces, des fois puis, c'est OK, en fait, on ne peut pas savoir à l'avance. Puis, c'est là aussi la surprise et la magie de la vie. Et qu'en fait, un accompagnement sur 6 mois ou 1 an, et puis transformer toute notre vie sur 6 mois, 1 an, c'est vraiment rien pour tout le bonheur qui nous attend derrière, en fait, dépendamment de ce qui peut être là inconsciemment à nous coincer, que ce soit en connaissance de soi avec le human design ou en libération avec la libération émotionnelle subconsciente. C'est game changer pour toute la vie derrière. Moi, c'est ce que j'aime à partager. Et les personnes qui sont en accompagnement avec moi, par résonance, effectivement, elles viennent aussi, même si des fois on vient
l'objectif de départ, c'est le business, c'est machin, c'est ça. Puis en fait, derrière, bah, on va chercher des abus, on vient gratter des abus, on vient parce que c'est dans la résonance des personnes que j'attire à moi. Et derrière, bah, des fois, il peut y avoir de la frustration parce que bah, la personne vient avec un certain objectif au départ, puis ça ne va pas aussi vite qu'elle voudrait. Mais en fait, quand on met la conscience sur « mais regarde ce que tu as libéré au passage dans ces 6 mois, dans ces 1 an, puis regarde comment tu as transformé ta vie », mais quand ça va devenir exponentiel, là, c'est pour toute la vie ensuite. Puis déjà, là, c'est pour toute la vie. Mais ce côté voilà, de rechercher la gratification immédiate, c'est vraiment quelque chose qu'on a à transformer dans nos parcours, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou pour nos vies personnelles et nos développements personnels, parce que en fait, dans l'instantané, on ne trouve pas la joie. On parlait de la joie tout à l'heure, et la vraie joie, elle vient d'être vraiment purement connectée à nous, et parfois, certains espaces de nous vont prendre du temps à reconnecter, mais alors, quelle extase quelle extase au moment où on peut se permettre de les reconnecter et de les inscrire dans le temps, dans la durée. C'est-à-dire, c'est pas fugace, c'est pas « tiens, je connecte à ça 2 mois, puis ensuite je retourne dans mes patterns », c'est-à-dire que c'est 6 mois, 1 an, quel que soit le temps que ça prend pour chacun. On disait tout à l'heure, le rythme de chacun est parfait, mais après, c'est pour la vie, en fait, c'est pouvoir vivre sa vie de façon extatique, et que même s'il y a des choses qui viennent nous retraverser de temps en temps, ben c'est plus la majorité de ce qu'on vit, en fait. Complètement. Et justement, je t'apprends à regarder si j'avais mon livre, parce que j'ai écrit un livre donc sur le burn-out maternel. Mmh. Et quand je relis certains passages de ce livre, je dis oh là là, l'énergie que j'avais à ce moment-là, c'était lourd, c'était. Et pourtant, au moment où je l'ai écrit, j'ai mis le burn-out maternel, comment j'en suis sortie, je me sentais véritablement sortie. Donc oui, j'étais sortie d'un état, oui. Mais j'imaginais pas que je puisse être dans l'état où je suis aujourd'hui. C'était complètement hors de mon champ de conscience. C'est-à-dire, on parle de champ de conscience, on se dit, bah, tiens, ça c'est possible, parce que c'est pas trop loin, c'est possible, mais il y a des choses, c'est carrément ailleurs, voilà. De connecter avec Mélanie Alléyer, de connecter avec Sophie Schack, de connecter avec tout plein de personnes dans ces réseaux, etc. De découvrir, ah ouais, j'ai un mode d'emploi, on peut me l'expliquer, je peux libérer des choses. On se dit, waouh, c'est juste extraordinaire, quoi. Si on se retrouve on se dit en 2023, même juste en 2024, on regarde cette vidéo dans un an. on peut se dire rendez-vous dans un an. Déjà, la transformation, elle va être énorme. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la courbe exponentielle, alors d'ailleurs, j'ai mon chéri qui a été prof de maths, au début, c'est très très lent. Et puis, au fur et à mesure, ça commence à aller, et il y a un moment où ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que toute cette partie qui est lente, qui est longue, on se dit, mais c'est pas possible, je fais des choses, ça n'avance pas, je comprends pas. C'est hyper important d'être accompagné ou d'avoir des personnes support, des mentors, des modèles, des personnes à qui on va s'accrocher pour ne pas lâcher, parce que c'est ça qui peut arriver, qui fait que il y a un moment où on va dire maintenant ça avance pas, ce machin, je lâche. Et c'est dommage, parce qu'il y a déjà eu du chemin de fait. Et de reconnaître ce chemin, en fait, voilà, des personnes qui nous soutiennent, mais aussi qui nous permettent de regarder que, en fait, il n'est pas en train de rien de se passer. Là, c'est énorme ce qui est en train de se passer. C'est juste qu'on a l'attention fixée sur autre chose, sur des attentes, mais en fait, on est en train de changer. C'est pour ça que on a un objectif qui est tel, mais en fait, derrière, ce qui se transforme pour nous, c'est tellement plus grand aussi que ce vers quoi on s'en va quand on le fait consciemment, en fait. Aussi. Et puis on le transforme pour soi, mais on le transforme aussi pour tout notre environnement. C'est-à-dire qu'on le transforme pour soi. Quand on est en couple, évidemment, le conjoint, la partenaire de vie en profite aussi. Ça profite aux enfants, ça profite aux personnes avec lesquelles on est en relation. Pour ma part, donc j'ai cette activité en tant que coach, consultante, thérapeute, et j'ai aussi une activité salariée. C'est vrai que les personnes que j'ai au bout du fil tous les jours pour les accompagner, elles en profitent de tout ce travail que j'ai fait sur moi, que j'ai infusé, que j'ai libéré.
Et évidemment, bah, c'est pour ça que j'ai des super retours, j'ai des super retours qualitatifs, bah, parce que j'ai, du coup, j'ai cet autre accueil, mais parce que j'ai fait tout un chemin. Et c'est important, c'est pour ça que j'en parle en ce moment, que bah, c'est OK, si, parce qu'il y a plein de personnes qui essaient de développer leur activité en libéral, qui ne veulent plus être dans le salariat, etc., qui sont en lutte. Et voilà, j'ai lu certains témoignages hier dans le groupe, justement, de Sophie, hein, ça fait 5 ans, 4 ans, qu'elles rament financièrement, que c'est compliqué, que, etc. Et là, du coup, clairement, il n'y a plus la joie. Et pour développer son activité, quelle qu'elle soit, c'est important qu'il y ait de la joie, parce que l'univers qu'il aime, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le fun. Et moi, c'est surtout ça que j'ai vu justement dans le groupe de Mélanie Anlayer. Enfin, il y a une à laquelle je pense, Stéphanie. Mais je dis, mais attends, mais c'est incroyable, quoi, comment elle développe son truc. Mais elle est toujours en train de elle est toujours une banane extraordinaire, elle est toujours en train de... On a l'impression de s'amuser, mais il y a du travail derrière. Et c'est toute cette notion aussi de travail, de joie, qui est à revoir. Parce que, et quand on travaille justement avec le bodygraph, on se dit, ah ouais, mais en fait, ça peut être super joyeux de passer à l'action. Exactement. Si on le fait en fonction de son mode d'emploi. Et oui, je voulais rebondir sur ce que tu partageais, parce que la même activité, le même business orienté dans la même direction, il peut s'incarner de plein de manières différentes, en fait. Et parfois, où on va se buter dans une direction, ou parce qu'on va adopter un schéma d'à côté, ou ça peut être hyper subtil, des fois, les petits changements qu'on peut amener, mais tiens, on va dire, tiens, là, ah bah, par exemple, tu parlais de ton côté ermite et de ton côté réseauteur tout à l'heure. Ben voilà, identifier ça, ça permet de l'implémenter dans l'activité aussi et de s'honorer dans ça et de faire en sorte d'être reconnu aussi dans ça et puis de se rendre compte qu'en fait, les gens, ils acceptent, oh ok, t'es comme ça, si tu fonctionnes comme ça, c'est parfait, alors ben, tu reviens vers moi quand t'es ok. Et moi, c'est pareil, voilà, d'implémenter tous les aspects de mon design dans mon activité, ça fait que globalement, elle va toujours dans la même direction, mais au fur et à mesure, elle y va différemment. C'est-à-dire que, ah, on rajoute de la joie ici, on en rajoute un petit peu là, puis un petit peu là, puis on change un petit millimètre ici. Et là, d'un coup, ça prend, hop, il y a des petits engrenages qui se mettent en place qui font que d'un coup, ça devient absolument extatique. On a l'impression de faire toujours la même chose, mais on le fait avec une énergie totalement différente. Et la puissance, justement, du générateur ou quel que soit le fonctionnement que l'on ait, peut vraiment rayonner. Et là, on va incarner notre activité ou quel que soit ce qui nous passionne de manière totalement différente par des petits ajustements comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment génial. Des libérations, des ajustements, la conscience qui s'installe. C'est juste un cadeau à se faire et qui est exponentiel, justement. Moi, c'est pour ça que j'adore à chaque fois dire comment est-ce que les choses peuvent encore changer au-delà de ce que je peux imaginer. J'adore cette question d'interroger et de demander. Quand je demande quelque chose, de précis, là, j'aime bien toujours ajouter et au-delà de ce que je peux imaginer, parce que on demande, puis on disait, bon, on reçoit toujours la plupart du temps d'une manière qui n'est pas forcément celle qu'on avait imaginée. Et j'aime toujours, parce que au-delà de ce que je peux imaginer, moi, j'ai un fun absolument incroyable à me faire surprendre par la vie et des niveaux de conscience. Puis j'aime bien aussi ce qu'on peut évoquer aussi, ou les connexions avec le futur, et me dire, quand je pose cette question-là, je me projette et j'ai beaucoup de tendresse et de compassion pour le moi de maintenant qui pourrait être connecté à une espèce de version où justement quelque chose d'encore plus grand s'est créé que je peux absolument pas imaginer, puis qui se retourne sur cette version de moi qui est en train de demander ça. Mais c'est parce que j'ai demandé ça aujourd'hui que j'ai pu accéder à une incarnation de moi absolument au-delà de ce que je peux imaginer. Donc j'aime bien... Voilà, j'ai beaucoup de fun à me projeter dans ces espaces aussi et de voir ce que ça crée dans le présent. Donc, qu'est-ce qu'on peut tous recevoir en allant connecter à ces espaces de nous, à notre mode d'emploi, à libérer via la reprogrammation émotionnelle subconsciente qu'on n'oserait jamais imaginer de nous. Puis c'est ça aussi, c'est s'autoriser. Quand tu parlais de ça aussi tout à l'heure, c'est s'autoriser d'aussi grands espaces et d'aussi grandes joies, parce que ben, c'est pas spécialement ce qui est le plus invité dans le monde globalement, et donc il y a aussi ça, c'est se permettre. Pour ça que plus on peut être joyeuse et plus on peut montrer que ça peut fonctionner dans le quotidien. Exactement. En étant joyeux, que les autres ils vont se dire, et c'est tout le temps comme ça, c'est possible. Alors, ben,
Bien sûr, il y a des moments où ça ne va pas, où on va pleurer, et c'est OK, et ça fait partie de la vie. Et en même temps, bah, voilà, les moments où, où on va avoir libéré les pleurs ou la colère, eh ben, hop, ça va être libéré, et on va retrouver, en fait, comme quand on était petit, cette capacité à, hop, bah, c'est bon, j'ai eu mon câlin, j'ai été réconfortée, j'ai pu pleurer, j'ai pu râler. Et puis, une fois qu'on a fait le plein, hop, ça y est, c'est fini, et on passe à autre chose. Ouais. C'est un modèle qu'on présente aussi aux autres personnes pour leur montrer, bah oui, c'est possible. Parce que c'est à partir de ça qu'on peut se dire, ah d'accord, donc ça, si c'est possible pour elle, eh ben, je peux peut-être aller voir le truc. Yes. Et quel que soit ce qu'on ait vécu, est-ce qu'on a l'impression que ce ne serait pas accessible pour nous? Parce que si, et si on, peut douter de ça, eh ben, allons chercher des espaces et des témoignages de gens, parce qu'il y a des tas de personnes aujourd'hui, puis les réseaux, Internet, etc. aujourd'hui, pour ça, sont formidables aujourd'hui. C'est qu'on peut retrouver des témoignages de tout un tas de choses aujourd'hui qui vont donner les preuves à notre subconscient, justement, que quel que soit ce qu'on ait vécu, il y a moyen de changer et puis d'inviter autre chose dans notre vie, quel que soit ce qu'on ait vécu, parce qu'aujourd'hui, il y a des témoignages sur tout, sur tellement, tellement de vécu et de transformations absolument incroyables. Je crois que il n'y a rien qui ne soit inaccessible si tant est qu'on ait envie d'aller le chercher et de s'autoriser aussi à inspirer les autres, mais aussi à des fois à comment dire, à être jugé aussi, de choisir la joie et la grandeur de soi et d'accepter aussi que bah, tout le monde ne va pas raisonner avec ça et que ça peut être OK en fait aussi, parce que ça peut, c'est aussi quelque chose qui fait partie du process aussi, de s'entourer des personnes qui vont aussi souhaiter cette même joie et se sentir inspirée par ça, mais être OK aussi avec tous ceux qu'ils choisiront possiblement pas, et de pouvoir quand même rester en connexion avec tout le monde. En fait, ça, c'est aussi une part du process que je trouve extrêmement humanisante. Oui, complètement. Bah, en tout cas, moi, j'ai été super contente d'échanger avec toi. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions ou qui veulent faire une remarque ou quelque chose. N'hésitez pas à le mettre. En tout cas, voilà, le live va rester sur Facebook. Je vais le récupérer. Il va aller sur YouTube. Je vais l'envoyer à Myriam qui va pouvoir aussi faire la diffusion. On va rayonner chacune dans la voilà, l'objectif, c'est vraiment, nous, c'était déjà de passer ce moment joyeux toutes les deux ensemble, de pouvoir partager, de pouvoir faire ce double regard croisé, donc sur ce qu'on a vécu, aussi bien l'une que l'autre, en tant que praticienne, en tant que cliente. Comment ça s'est passé, et puis bah, d'en faire profiter les personnes pour leur montrer, bah, voyez, c'est possible. Voilà, Myriam parlait d'abus tout à l'heure. Moi-même, j'ai été victime d'abus sexuels, j'avais 14 ans. C'est quelque chose qui m'a cassé en fait dans ma construction, évidemment, qui a été très long, puisque j'ai dû, voilà, je suis allée faire un dépôt de plainte, j'avais plus de 40 ans. Donc, il y avait évidemment prescription, mais ça m'a permis de guérir les choses. Et même les gendarmes, enfin, la gendarme m'a accueilli en disant, mais c'est important que vous le fassiez pour vous, pour votre travail personnel. Et que bah, si jamais il y avait quelqu'un qui venait faire pareil, un dépôt de plainte sur cette personne, eh bien, qu'on puisse croiser les choses. Et c'est pour ça que c'est, il y a énormément de personnes qui ont vécu des abus. Et si c'est le cas, bah surtout, vous n'êtes pas seul, ça, que ce soit homme ou femme, il y a énormément de personnes, et c'est important de ne pas garder ces poids-là sur soi, parce que bah, on s'empêche de vivre, c'est-à-dire qu'on se pourrit la vie alors qu'on peut vivre autre chose. Alors après, chacun décide, hein, s'il y en a qui veulent rester avec leurs enclumes, et bah, c'est leur choix, ça peut être leur chemin de vie. Et puis ça... On peut s'en libérer aussi, quoi. Oui. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'en fait, ça a un impact sur tous les aspects de notre vie. Donc, on ne peut même pas dire, parce que des fois, je rencontre des personnes qui se disent, bah, là, je focus sur mon activité professionnelle, puis je ne vais pas voir ça maintenant parce que ça va foutre le bordel dans ma vie. Mais en fait, ouais, c'est tout un briquet.
Et c'est impossible de laisser un truc dans le tiroir là en se disant qu'on peut faire marcher un côté parce que c'est pas vrai, parce que l'abus, il vient impacter toutes les sphères de notre vie et on n'a aucune idée d'à quel point ça peut être beaucoup plus léger de s'occuper du boulet, si on peut dire, avec beaucoup d'amour, de compassion envers soi-même et de ce qu'on a vécu, etc. De sortir ce truc du tiroir et de libérer ce qu'il y a libéré, même si c'est intense, inconfortable sur le moment, parce qu'après, derrière, le reste est beaucoup plus facile. Et moi, vraiment, tirer toutes les ficelles. En fait, quand j'ai. Parce que moi, je l'ai refoulé pendant 30 ans, l'abus, je ne savais même plus, en fait. Mon subconscient, enfin voilà, mon fonctionnement a fait que je l'ai effacé pour pouvoir fonctionner. Et en fait, quand c'est revenu, j'ai pu identifier que toutes les sphères de ma vie, en fait, qui dysfonctionnaient pour une seule et même raison, c'était le fait que l'énergie d'abus était présente dans ma vie, dans toutes les sphères, et que du coup, je rayonnais l'abus, et donc je m'abusais aussi, et j'abusais mes finances. Enfin voilà, et c'est pas pour culpabiliser que je dis j'abusais, mais c'est juste parce qu'à un moment donné, il y a un processus de conscientisation de tout ce que ça impacte, parce que moi, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est de sortir du rôle de la victime, en fait, à un moment donné, même si c'est hyper intense et lourd d'arriver à ces espaces-là. Je voulais juste ajouter que ça vient impacter toutes les sphères de notre vie, que dans tous les cas, on peut pas juste avoir l'impression. On peut imaginer qu'on le laisse dans un coin et puis que c'est OK, mais en fait, c'est comme tu dis, c'est une enclume, puis on peut vivre sa vie sous une enclume si on a envie, mais on peut aussi choisir la légèreté. Exactement, et c'est vrai que tout ce process qu'on peut faire en conscience, il y a plein de choses où on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui est resté coincé dans notre subconscient de petit garçon, de petite fille, qui fait qu'aujourd'hui, à 40, 50 ans, même 60 ans, ça n'avance pas à un endroit, mais c'est parce qu'il y a, c'est un petit peu comme s'il y avait un fil invisible qui nous retenait sur un événement, et tant qu'on n'a pas ouvert le tiroir de cet événement, mais des fois, on ne sait même pas quel est le tiroir, on va y aller. Et que ça n'a rien à voir. Non, parce que le subconscient, il fait des trucs. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Pour cela, je mettrai en lien l'histoire de la brosse à dents avec ma fille. Vous allez comprendre ce que c'est les liens du subconscient. Et là, on se dit, ah ouais, on n'est pas rendu. parce que le subconscient, il fonctionne avec l'émotion. Donc, il vit une émotion, il fait le lien avec ce qui est présent, il va associer les deux. Et si on ne fait pas la dissociation, évidemment, sur le moment, donc là, ce que j'ai fait avec ma fille par rapport à son histoire de brossage de dents, vous irez voir la vidéo, c'est un truc qui va rester ancré, qui va rester enregistré, et 40 ou 50 ans plus tard, on ne va pas comprendre pourquoi il y a ceci ou il y a cela qui dysfonctionne dans notre vie, parce que on ne sait pas. Et par contre, en allant chercher justement dans le subconscient, en allant lui demander, tu veux bien ramener le souvenir là, qui est lié avec ce truc-là, parce que voilà. Et là, on se dit, putain, mais c'est quoi ce truc? Ça vient d'où? Ah ouais, d'accord. On le libère et hop. Et puis du coup, ça débloque. C'est ça qui est magique, quoi. En fait, c'est ça où à chaque fois, les personnes me disent, je suis surprise du truc qui est venu. Et ça m'a permis de libérer derrière. Mais c'est normal puisque c'est des choses dont on n'a pas conscience. C'est comment on appelle ça, la boîte noire dans l'avion. Et voilà. Donc il y a Muriel qui me dit bonjour, j'arrive tout juste, je regarderai le replay. C'est complètement OK puisque ce sera disponible. Et puis surtout, voilà, pour les uns et les autres, n'hésitez pas à poser vos questions, même après, sur l'enregistrement. On y reviendra. Voilà, en tout cas, nous, ça fait une heure et il y a à peu près qu'on discute. On pourrait continuer longtemps. On pourrait continuer des heures, hein, on est tellement passionnés. C'est ça, la joie. On voit qu'on est connecté à la joie de ce qui nous anime. Par contre, si jamais il y a des questions et que on sent aussi bien l'une que l'autre, que il peut y avoir, comment dire, ressources ou matière à ce qu'on vous présente autre chose ou sur des questions n'hésitez pas à le mettre, surtout osez, on va pas vous manger. Posez-nous des questions parce qu'en tant que générateur, on aime répondre. Exactement, tout à fait. Donc c'est plus facile pour nous de répondre à une question
Et surtout, il n'y a pas de questions bêtes, d'accord ? Dans la mesure où vous avez une question, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous aimeriez comprendre, si vous n'osez pas la mettre en commentaire, bah, vous nous envoyez un petit MP. De toute façon, Myriam, tu vas m'envoyer ton lien et voilà, les personnes, vous pourrez la contacter directement. N'hésitez pas à le mettre en MP si vous ne voulez pas que la question soit vue par tout le monde, c'est OK. Ouais, voilà. D'accord, sentez vraiment vous libre et en confiance de poser, qu'est-ce qui vous questionne. Yes. Oui, merci d'amener ça. Ça sera aussi d'accueillir les questions ou les partages en MP si c'est plus safe et plus pertinent. Mm. Ça a été aussi une joie de partager ce moment avec toi, Marie-Christine. Vraiment, merci. Voilà, on va pouvoir partager ça dans le groupe aussi, que voilà le résultat de connexion dans un groupe, justement ça donne ce type d'échange plus tard ou d'autres collaborations. Je sais que voilà, par le passé, je suis toujours dans l'Académie Zéro Limite, mais justement au début, j'ai connecté avec différentes personnes, on a pu faire des choses ensemble, et c'est ça qui permet de d'ouvrir l'espace, quoi. Moi je vois vraiment ça comme ça, de pouvoir oser plus, de pouvoir faire plus de choses, d'avoir plus de fun, on est né pour en profiter, c'est ça. Ça suffit de et de ce que j'aime aussi, c'est d'être précurseur, c'est peut-être un petit peu prétentieux parce que d'autres ont initié des chemins avant nous, mais on participe aussi à ce qui est en train de changer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en suivant notre mode d'emploi unique aussi, comme on en parlait tout à l'heure, en se libérant et en redevenant vraiment ce que l'on est par essence, eh bien, on peut avoir cet élan de répondre à la vie et de on fait un live. Ah oui, on fait un live. On ne sait pas ce que ça va créer, on ne sait pas où ça emmène, mais c'est juste cette foi en la vie et puis en la joie. Et ça, c'est des manières de créer totalement différentes de tout ce qui a fonctionné dans le monde jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même s'il y a toujours quelques marginaux qui, par tous les temps, ont su s'extraire de la masse. Mais plus ça se répand et puis plus ça donne aussi cette autorisation, si tant est qu'on en ait besoin, à être soi et à se permettre de suivre cette joie. Donc, un grand merci, Marie-Christine, pour la fluidité de nos échanges aussi et de suivre cette joie et de comment on peut vivre cette facilité aussi à vivre ces moments et à partager ça avec vous aussi. C'est vraiment génial. Merci à toi aussi. Je vais juste t'inviter à ce qu'on reste un tout petit peu le visage droit vis-à-vis de la caméra pour qu'on puisse prendre après un screenshot. Voilà, merci. En tout cas, merci Myriam, merci à ceux et celles qui sont passés. N'hésitez pas, c'est un grand plaisir, nous de partager cette joie. C'était vraiment l'intention de ce direct et puis de cette première expérience à Extremeyard. Voilà. Oui, les nouvelles expériences, c'est toujours génial. Merci à vous tous pour votre passage, quel que soit le moment. Puis, comme disait Marie-Christine, n'hésitez pas à commenter, à revenir vers nous pour partager, poser vos questions. Ce sera avec grande joie. Très, très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt peut-être. Yes, à bientôt.